Bonjour à tous et toutes, et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Une vidéo, en fait, astuce, quelques trucs que vous connaissez certainement, mais bon, que tout le monde ne connaît pas, donc quelques astuces, voilà, dans le jeu, tout simple. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne, hein, un petit pouce bleu, ce sera gentil. Donc tout d'abord, on est là. Petite astuce pour attraper... Comment il s'appelle? Et... Hop. On va remplacer. Migroc pour le porter en fait, sans se brûler. Hé hey. Donc attendez, je m'occupe de lui d'abord. Voilà. Donc là, par exemple, si j'y vais le prendre. Hop, moi je me brûle. Donc éviter, hein. Donc évidemment les portées ça les tue, mais bon ça on s'en fout. Donc ce qu'il faut faire c'est soit et qui me tire dessus. Tu peux me laisser faire ma vidéo s'il te plaît? Merci. Donc j'en étais où? Ah oui. Donc il faut en fait les refroidir. Donc on prend une épée de glace si vous avez. Hop, voilà. Voilà, voilà. Donc en fait vous les gelez. Ils deviennent comme des cailloux tout bêtes. Et là vous pouvez les porter et les rejeter. Et vous ne vous faites pas tuer. Vous ne vous faites pas toucher en fait. Hop. Et voilà, c'est vite d'user des bombes. Il y en a infini, mais bon, c'est toujours plus simple comme ça. Hein. Voilà. S'il y en a un autre, hein, l'œil 2. Sinon, pareil avec des flèches de glace, en fait. Truc tout simple. Donc, c'était la première astuce. Deuxième astuce pour avoir des chouchous de la couleur qu'on veut. Donc par exemple celui-là il sent rouge, donc si on le tue il devient rouge, mais après on peut changer de couleur. Donc on va déjà le tuer, hop, voilà, donc là il est rouge, j'en prendrai un, hop, voilà, je suis rouge, c'est marqué. Et si par hasard je veux une glace, au lieu de partir dans la glace, hein, vous pouvez, hein, vous prenez une épée de glace, voilà, et vous chargez juste un petit peu. Et j'y vais trop fort. Ok, ça foiré. Super astuce, hein. Mais rassurez-vous, dans quel sens je vais là. Il y en a d'autres après. Donc l'astuce marche réellement. Hein. Je vais quand même vous montrer, hein, sinon je passe pourquoi là. Ah ben voilà, merci. Voilà. Donc feu. Et voilà. Une fois. J'attrape chouchou blanc. Alors je vous dis, j'en ai 19. Celui-là il est rouge. Hop. 20. Et voilà. Tout est joué. Classe, hein. Oh tiens, une arme là. Ok. Donc c'était astuce numéro 2. Troisième astuce, si vous avez des chouchous bleus qui vous voulez les changer en flamme. Vous pouvez, ah, je vais vous montrer, hein. Il faut déjà que j'en ai. Est-ce que j'en ai 56, soit ça. Ouais. Donc ça, déjà, vous allez chez les gorons et vous les posez par terre. Hop. Ah, par contre, je sais pas s'il fait assez chaud là. Il n'a pas fait assez chaud, non. Ok, bon. Alors déjà, on va faire l'autre moyen, alors. Parce qu'on peut quand même, on peut quand même y faire. Hein. Hop. Voilà, donc vous les posez, vous prenez, hop, le feu.
feu. Et voilà, ils deviennent rouges. Tout simple. Sinon, hop, on va se téléporter, je vais vous montrer que ça marche quand même. C'est si vous voulez refaire vos habits, hein, vous avez besoin des chouchous rouges, bah, hop. Vu que les bleus, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Tout simple. Alors la troisième. Donc, voyons voir. Ouais, donc évidemment, faut pas que je meure. Ah non, c'est moi, j'ai mes bottes. Donc là, il fait très chaud, comme vous pouvez voir. Donc vous prenez vos chouchous bleus et vous les posez par terre. Et voilà. Alors faut pas trop attendre, en fait, sinon ils vont carrément brûler. Voilà, ils sont rouges. Vous les ramassez. Et si vous en avez trop longtemps, je sais pas s'ils explosent. Non, pas. Non. Ok, et ben voilà. Et comme ça, vous avez des rouges. Et donc pareil, évidemment, avec les blancs. Hein. Bon, j'en prends qu'un parce que j'en ai besoin. Voilà. Et voilà, il devient rouge. Et il revient par là, toi. Voilà. Par contre, pour les ailes, je sais pas. On va essayer pendant que je suis avec vous. Ça fera en même temps. Je sais pas si honnêtement pour les ailes. Les chouchous, je sais, même la viande. Les ailes. Non, bon, ok, bon. Que les chouchous. Bah, c'est déjà ça. Hein. Et voilà pour la troisième. Nouvelle astuce pour faire un one shot sur les monstres de glace. Tout simplement utiliser du feu. Donc soit qu'une épée en marchant tout doucement, soit bah, qu'une flèche. Donc là. Hop, ah, par contre, je vais quand même vous montrer comment garder sa vie, hein, savoir combien de vie il a. Il a combien de vie? Ah, voilà, 288. Et mon arc fait 38. J'ai combien d'attaques? Pas terrible en attaque. Hein. Vous allez voir. Pouf! En fait, il brûle instantanément. Hop, bon, c'est cool ça. Voilà, alors est-ce qu'il y a un deuxième? Je vais quand même vous montrer que ça remarche tout le temps. Non, bon, ça marche instantanément. C'est quoi ça? Oh, je crois que c'était un truc. Non, mais c'en est un ça, non? Ah non, je croyais. Il se cache tellement bien que. Ah ben voilà, les autres. Donc pareil, hein, là, les monstres en pierre. On ne peut pas les toucher. Si vous allez vous geler. Donc, hop, voilà. Vous portez, hop, vous jetez. Oh, et il se casse. Automatiquement. Donc si vous avez des flèches aussi, hein, c'est pareil. Voilà. Vous portez, hop. Et il me touche. Voilà, exactement pareil. Con, ah, vas-y, profite, j'en ai la foutre, je t'aurai. Donc ça c'est le blesse pas, hein. C'est juste pour enlever la glace, hop, et voilà, on va tous se les faire, hein. Oh putain, chaque fois je me fais avoir. Wow, on s'amuse là, hein, pour les ensembles. Hop, voilà, on prend. Non, je vais pas me faire voir trois fois. Ah bah si. Bon, quand c'est comme ça, si vraiment il vous saoule, hein, et vous prenez une bombe, ah, enfoiré. Au revoir, non mais oh, il me saoule. Voilà. Tiens.
Et voilà, vous avez ça instantanément. C'est un monstre de flamme, donc un seul coup d'épée. Alors que normalement, il aurait fallu au moins 4-5. Est-ce qu'il en reste un? Non, bon, je vais foutre le coffre et après on arrête la vidéo. Enfin, une coupure. Voilà, donc ça c'est un monstre. Non, hop. Donc qu'est-ce qu'il y a là? Oh, baguette de météore. Cool. Bah pareil, elle s'est fait instantanément aussi, hein. Tout ce qui est feu en fait. Ça les tue. Hop. Et ben voilà. Au suivant. Une nouvelle astuce. C'est aussi le cheval. Donc on va déjà partir de là. Hop là, on s'en va. On soit tranquille. Voilà. Donc là, vous voyez, ce cheval-là, il a que deux trucs. Vous êtes d'accord, hein? Donc on arrête. J'ai dit on arrête. Donc on sort. Voilà. On va lui donner des carottes. Si j'en ai, évidemment. Mais j'ai mangé tout. Les carottes, mais pas celle-là. Hein, les. Celle-là. Voilà. Vigueur. Hop, on prend des. Hop, on donne deux. Vous avez vu, hop, il est content. Oh putain, il y a un connard qui a. Il a tué mon cheval, cet enfoiré. Tu vas voir. Où t'es, toi? Merde, cela. Voilà. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, donc il en a mangé deux. Il avait deux trucs hein, tout à l'heure. Donc on remonte. Et maintenant, il en a trois de plus. Parce que j'ai donné des carottes. Par contre, si vous l'utilisez, ils disparaissent. Hein. Donc là, regardez, il va revenir. Voilà. Donc là, voilà. Par contre, si j'utilise celui-là, poum, hop, il disparaît. Poum. Voilà. Et voilà, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Voilà. Voilà. Donc toujours 3. Hop. On redonne. Voilà, un deuxième. Et voilà, en fait, et ça indéfiniment, vous pouvez faire. Bon, il faut avoir des cartes sur vous, mais bon, c'est toujours intéressant. Hein. Tente-toi. Et voilà, vous êtes revenu à 3. Voilà. Donc, si vous êtes en manque, quoi que ce soit, vous avez toujours quelques trucs en plus. Est-ce que je t'ai dit de t'enfuir? Allez, roulotte, est-ce que ça marchait là? Bon, j'ai déjà fait. Mais normalement, quand vous avez une roulotte comme ça, tout le temps, faites devant et derrière là. Il y a toujours un rubis devant et derrière. Voilà, est-ce qu'il me faudra des chevaux en fait? Pour vous montrer la suite, mais il n'y en a pas par là évidemment. Donc je vous reprends pour l'astuce suivante. Cette fois-ci, il faut d'abord que j'attrape un cheval pour vous le montrer. Pour augmenter en fait l'endurance, enfin son amitié beaucoup plus rapidement. Donc on va déjà attraper un cheval. Ce qui est pareil que pour lui. Putain, j'ai foiré. Bon ben c'est foiré, c'est foiré. Hein. Allez. S'il te plaît. Voilà. Donc là, on l'a un petit peu calmé, mais il n'est pas toujours. Attends, arrête-toi, 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 arrête-toi. Il nous oublie pas. Donc pareil. On lui donne des carottes. Et en fait, le fait de donner des carottes, ça va augmenter son amitié. Et on peut comme ça augmenter jusqu'à 100 pour que ce soit parfait avant même d'aller au relais. Voilà, donc. Hop. Voilà. Bon, là, quoi que ce soit, on peut aller jusqu'au relais. Est-ce qu'il est loin le relais? Oh non, enfin, il est pas trop loin encore. Donc vous allez voir, il sera peut-être presque à 100 même.
toi. Tiens, si ceux qui là-bas ils en veulent. Est-ce qu'il va la bouffer l'autre, les carottes l'autre? Et oui, regardez, en même temps. On dirait que ça les attire. Ouais, mais il est à moi ce cheval, donc on me le laisse, merci. Voilà, donc, faut aller maintenant jusqu'au relais. Putain, j'étais obligé de me taper de l'inel. Donc, on va faire une coupure, je pense. Le temps que j'aille au linel, ou que je passe le linel, que j'aille au relais. À tout de suite. Alors je prends tout de suite. Parce que sinon, il y en a qui vont dire, oui, mais tu l'as peut-être dit... comment dire? Peut-être fait des caresses pour le calmer, et donc ça marche pas. Donc, je vais essayer de ne pas le calmer du tout pour voir à combien il est. Avant même d'être arrivé. Donc là, par contre, on est mal barré parce que c'est le linel. Alors, comme vous avez vu, hein, évidemment, il est à max, hein, puisque je lui ai donné des carottes. Il m'a pas encore vu. Non, ça va. Enfin, j'espère, hein. Non, c'est bon. Donc pour l'instant, je ne le calme toujours pas. Hein. On va pas modifier les stats. Voilà, donc on attend tout doucement. Là, je ne fais rien parce qu'il y a une deuxième linelle qui est juste devant moi. Par contre, après, je redonne de la bouffe. Un petit peu et après je lui donne à manger. Voilà. Donc là tu vas t'arrêter s'il te plaît. Arrête-toi, merci. Voilà, donc hop hop. Il est peut-être à max hein, déjà. Hein. Mais elles sont là, les carottes abouties. Bon, il est peut-être à max. On va voir. Enfin bon, ça change rien. On avance. Faut aller où maintenant? Là. Faut suivre la route. Évidemment. Voilà, donc on se dépêche. Oh, mais t'es bête. Allez, allez, on avance. On t'arrête pas, sorte. Putain, ils sont font chier. Eux. Ils vont me saouler. Donc, j'utilise pas les trois derniers, sinon ils disparaissent. Voilà, il y en a un qui est disparu. Normal. Et normalement il ne devrait pas être loin, donc là évidemment il est vide hein, normal il est pas là le relais normalement. Non, il est où le relais? Ah, l'autre côté. Oh, il me fait perdre du temps. C'est ça, ouais. Il est un peu loin, mais bon, c'est le relais le plus près. Donc, d'ailleurs, si vous faites la quête du gros cheval, c'est exactement pareil. Pas de choix. Donc, un petit peu longue.
tout doux, ce serait qu'on tombait dans le vide, n'est-ce pas? Et on y est presque. Hop là, un animal de moins dans la vie. Désolé. Voilà, donc oh, c'est bon, il m'est arrivé là. On va plus tarder. Non! Calme-toi, mon gros. T'es calmé, oui? En passant, je le calme toujours pas, hein. Comme ça, on ne triche pas. Donc on va attendre qu'il se remplisse, voilà. Allez, on va l'arriver. Et voilà, arrête-toi! Alors, on attrape un cheval, ok. Ah, il est pas à fond. Donc, vous avez vu 90. Putain, il est quand même pas mal celui-là. Donc, 90, on va l'enregistrer. Là, on en a à foutre. Le nom, on s'en fout, de toute façon, je l'ai tué après. Donc, hop. Donc, les 90 d'affection. Voilà. Donc. C'est que c'est par jour, hein, mais normalement ça marche. Voilà. 1. 2. Bon, tu sais qu'il faut manger autre chose, hein, mais bon, j'ai vu ça avec des carottes comme ça, donc. T'avances, s'il te plaît, merci. Non, c'est là. Merci. Voilà. On a un cheval. Et voilà, maintenant il est max. Et pourtant, je n'ai absolument rien fait, à part donner des carottes. Donc voilà, c'était pour le moment. Pour augmenter son endurance pour la course et mettre max en affection directe. Rapidement. Voilà, je vous remercie. Et ben, je crois que c'est tout pour les astuces pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et puis ben, à la prochaine fois. Merci.